dernière fois, je vous ai dit que ce point-là, c'est la même chose que l'autre. Je vais vous prouver ça. Prendre une autre lettre. La partie positive, je veux la mettre là, comme ça. Même quand c'est la partie positive. Et la partie négative qui est là, au lieu de le ramener dedans les GND de l'autre, je vais juste le ramener dans l'ancienne partie GND. Je sais que c'est un peu compliqué. Mais vous allez voir que les deux vont s'aligner. Ça, je peux le brancher, je peux le brancher, oui, c'est le même point. Donc si j'ai pris ce point, il suffit de prendre ce point et l'amener là-haut, etc. Pour aligner. Et tout, la plupart des applications que vous voyez, ça repose seulement sur ça. Allumer, éteindre, allumer, éteindre. Voilà. On peut dire que là, vous allez atteindre les 50% de l'électronique de robotique. Parce qu'en robot, c'est quoi? Un robot, si on va prendre un robot au faire du roue, c'est juste lorsque je donne l'attention, je fais digital analyse au roue, elle tourne. Donc si elle tourne dans ce sens, le robot va avancer. Si elle tourne dans le sens inverse, on n'a pas vu ça, le moteur tourne dans le sens inverse, il va retourner. Donc si je tourne cette roue dans le sens comme ça, je tourne l'autre roue dans le sens comme ça, je vais tourner à gauche. En fait, c'est ça. C'est juste ça, la robotique. Le plus grand problème, en fait, c'est pas... C'est juste comment vous allez utiliser cette simple pour faire des applications complexes. Maintenant, qu'est-ce qu'on a le temps de faire dans ce pratique? Vous êtes fatigué ou bien... Non, 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 non,